Il faisait du toute petite attaque nulle et c'était bon. Oh, là-bas il y a encore un village. Non mais comme je suis tombé sur une zone de spot, je suis tombé sur une île où il y a un tas de villages. Je vais tout piller et tout là. Ah voilà. Alors ça devient compliqué maintenant d'entrer dans ma maison, pas de chance. Moi je peux y rentrer facilement. Mais quand même, je trouve qu'il fait un petit peu sombre. Je vais éclairer un petit peu cette maison. Une, deux, trois. Il ne manque plus que trois et je suis bon. Et bien sûr, pour ici, je vais faire très attention. Je vais essayer de barricader tout autour. Comme ça, je suis sûr que les PNJ ne pourront pas aller dedans. Je viens de me craquer la main, ça fait mal. Tiens. Là, j'ai assez déjà pour me faire un stack. Deux stacks. Le troisième stack, non. Mais quand même me dépêcher parce que j'ai pas envie qu'il y a des PNJ qui squattent ma maison. Je vais quand même déposer un peu tout ce que j'ai. Je pose tout ce qui m'est inutile. Cinquante-trois, cinquante-quatre, cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept, cinquante-huit, cinquante-neuf, soixante, soixante et un, soixante-deux, soixante-trois, soixante-quatre. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir un jardin comme ça là.
Eh oh, tu crois pas que tu vas squatter ma maison, toi? Oui, c'est à toi que je cause. Non, 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 non. J'ai pas dit que tu pouvais entrer. Vas-y, mais va-t'en, va-t'en. Ok, lui, je lui dis qu'il faut pas squatter ma maison. Lui, il dit, d'accord, merci de me laisser entrer. Et lui, il entre. Tu sors. J'ai dit, tu sors. J'ai lu si je le passe à travers. En plus, le truc le plus nul, c'est que c'est Fetchy, je peux pas les frapper. Et tant mieux pour. Re. Attends qu'il termine de squatter ma maison, comme ça après lorsqu'il a terminé, dès qu'il va s'en aller, ce sera génial. Et quand je veux dire qu'il s'en aille, je veux qu'il parte là tout de suite. Ok, ici il aura ma plaque, ma grue. Non, je prends les roses. Voilà, ça va commencer à pousser. Ok, PNJ, lui, au calme, il se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moi, j'aimerais bien savoir, ça m'intrigue. Au calme, comme ça, comme si de rien n'était. Ok, ça va pousser vite là. Je sais pas c'est quand qu'il aura terminé de squatter ma maison, mais ce serait bien qu'il termine de la squatter là maintenant. Ok, c'est bon. J'ai pris assez de stick. 24. Je crois pas que j'en ai besoin de toi. Pour l'instant, je vais me contenter de 30. Bon ben, t'as terminé de squatter ma maison ou faut que je te fais pousser cette force? Même si je peux pas te pousser. Et ça, et c'est pour ça que t'as de la chance. Tu vas te dépêcher. Ok, je récupère la terre. What? Alors je fuis. Alors regardons, il a terminé de squatter ma maison. Où il est grimpé? Il est grimpé. Ok. Savez ce que je vais faire là? Voilà, comme ça ils pourront plus la squatter. Même si j'avais besoin de ce bloc de terre. Une, deux, trois, quatre. Voilà. Comme ça, vous ne viendrez pas squatter mon champ. Là, je suis tranquille maintenant.
Et je vais aller visiter le village qui est là-bas. En passant que je visite, je vais aller soigner mes Pokémon. Plutôt bon Pokémon, vu que j'en ai qu'un seul. Hop là, hop là, hop là, hop, 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 hop. Yes. Voilà. Merci pour votre lampe. Ok. Mais pas de forge. Ok, ce village il est nul. Maintenant, je vais essayer de trouver des mines. Oh, une noix grume rouge! Oh, il y a quelque chose dans l'eau? Il y a un bout de pierre d'évolution? Non. J'espère que dans les grottes, je vais trouver des bouts de pierre d'évolution. D'évolution! Pas d'évolution! Wow! Ok! Je vais pas sauter, j'ai pas envie de mourir. Comme on le dit, pourquoi sauter lorsque tu peux prendre la facilité? Je vais sûrement avoir un bout de pierre d'évolution. Non, je suis désolé pour rien. Non mais ils se foutent de ma tête. Il doit sûrement avoir quelqu'un qui habite tout seul ici. Oh, qu'est-ce que t'as donné? Yes, ça va m'aider à soigner mes Pokémon. Mon Pokémon. Vraiment que j'arrête de dire mes Pokémon. Ok. Tout ça pour une personne. Yes, la grume bleue. Yes, masse citrouille. Mais pourquoi mon perso n'arrête pas de sauter? Mais non, non, non. Voilà. La grume verte, la grume rouge, la grume rouge. Salut les chiens. Je me casse d'ici. Je me casse d'ici avec mes doigts rouges. Petit bug. Veuillez m'excuser.
Ouh. Ok, c'est... Allez, un dernier coup et tu me démontes la tronche. Yes! Et en plus, tu passes niveau 7! Wouhou! Je suis trop heureux! What the hair? Vous savez quoi, je me casse. Il y a un truc qui brûle ici. Quelques secondes, la maison d'infirmier Joël va cramer. Ah! Le village, lui, il est juste à côté là-bas. Enfin, je crois. Les amis, je crois que là, je viens de craquer. Thomas Rollbeck, il doit se dire, mais comment est-ce que je vais faire pour aller dans cette maison? Il y a quelqu'un qui me l'a squatté ou quoi? Eh ben non, c'est toi qui veux squatter ma maison, squatteur. Hop là, hop là, et hop, hop. Aïe! Pourquoi est-ce qu'il me fait mal, lui? Allez, moi je veux fêter Halloween. Je fête Halloween, je fête Halloween, Halloween. Non, je blague. Je fête pas Halloween. Hop là. Ouh. C'est trop beau. Bon, maintenant j'ai de quoi éclairer ma maison. Ouch! Attendez, je crois que j'ai oublié de faire un truc. Ouais! Qu'est-ce que j'ai foutu de mes lingots vertes? J'en ai une avec moi là. Attendez une seconde, j'ai de la pierre, du bois, trois pierres. Est-ce qu'avec ça, ça marche? Non, ça marche pas avec ça. Et maintenant, l'enclume.
voilà, l'enclume spéciale pour faire les Pokéballs. Où est-ce que je vais le mettre? Moi, je vais le mettre là. Voilà. Bon, je vais te tester. Hop là. Ok, pas très efficace. Ah, ça, ça va déjà mieux. Ça, c'est déjà mieux. Ça, c'est le truc que je déteste. J'envoie des attaques aux Pokémon, ça les fait rien. C'est le truc. Mais qu'est-ce qu'il fout ici, là? Qu'est-ce qu'il fout ici? Mais si ça continue comme ça, je vais mettre des portes. Je vous jure. Eh non, 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 je me casse. Je viens juste de soigner mon Pokémon. Mais... En plus, j'ai d'autres Pokémon à fouetter, moi. Ouais, un petit niveau 7. Alors. Non, pas très efficace. Là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je vous dis que si ça continue, je joue plus jamais un Pokémon. Parce que là, ça commence vraiment à m'énerver. Et quand même, les amis, pour ça. Pour l'instant, j'ai prévu que de faire des parties en solo. Et bien sûr, s'il a un truc que je peux vous demander là tout de suite, et je suis encore qu'un débutant, donc vous moquez pas. Dites-moi dans les commentaires quand même, comment est-ce qu'on fait pour grimper sur des Pokémon? Ok. Oula, toi, je m'en revanche. Je veux ma revanche. Carrément, bon, alors quoi, lui, il est coincé là. Ouh là, là, ma revanche, elle est fatale. Ma revanche, là, elle était fatale. T'as pas un petit niveau 7 dans le coin? Ou 6, j'ai pas un petit Pokémon au moins. Que je passe niveau 8. Après, je pourrais affronter des niveaux 9. Le problème, c'est que en les combattant, je gagne rien. Parce que normalement, lorsqu'on tue des Pokémon, tu peux gagner des choses. Mais là, je gagne rien depuis tout à l'heure. Enfin, il y en a qui vont me dire que c'est normal, mais c'est point normal. Pff,
marrant, c'est point normal. Point et normal. Point normal. T'es niveau combien toi? 27, je me casse. Celui que je vais devoir combattre ici, il est où? Ah ok, carrément, extinction des feux. Carrément. Et vous savez ce que je vais faire là? Hop. Ah ouais, carrément. Tout ça, c'est contrôlé. Chacun le tour. Et quelqu'un va lui expliquer comment ça s'active. Si j'ai bien compris, ici, le dropper, il va faire ça. Il va ensuite faire circuler cette bande d'énergie qui va arriver à là, puis là, qui continue à là, puis ici, qui va continuer comme ça, à là, jusqu'à là. Ok! Vous voulez que je vous dise mon avis? C'est vraiment et franchement nul. Enfin, à mon goût. Après, pour vous, je sais pas. Bien, si vous voulez, je peux dire encore une fois, je sais pas. Et ben, j'ai dit. Et voilà. Et voilà, comme ça je vais pouvoir grimper quand je veux. Et premier, oui voilà. Enfin non, je sais pas. J'adule. Où est celui que je dois combattre? Et je vais essayer de déterminer comment est-ce qu'on fait. Ici je sors. Enfin, je peux aussi y entrer. Je crois que c'est par ici que je sors. Ouais, c'est par là que je sors. C'est bien ce que je me disais. Alors, essayons de récapituler comment faire. Ici, je passe ici. Ouais, je passe là. Ensuite, je vais aller dans cette... je vais aller là-dedans. Où je vais passer ces échelles qui vont m'amener quelque part ici dans le début du labyrinthe. Voilà, qui vont m'amener ici. Puis après, je dois essayer de trouver un chemin. Je vais passer par là, ensuite par ici, là. Je passe par ici, par là, par là, par là, par là. Par ici, je passe par là. Puis je passe par là. Ok. Hop là. Hop là, comme ça je vois les virages. Hop là, ce sera facile pour moi, comme ça après. Ouais, comme ça ici, je vois bien les virages. Attendez, non, c'est pas ici. Voilà, c'est ici. Ensuite, là. Je suis cette ligne de redstone. Voilà, ça déjà, ce sera déjà suffisant.
Mais après, lorsque je vais arriver au bout du chemin, je vais venir ici, passer par là et c'est bon. Ok, essayons de voir si ça peut marcher là tout de suite, même si je ne veux pas me battre. Là, je descends ici. Oh, il n'y a rien de caché. C'est pas grave, je m'en fous, je vais tout récolter. Bah oui, il n'y a rien de caché, moi je récolte tout. Voilà, je récolte toutes les baies. Toutes les agrumes. Voilà, yes. Je récolte tout. Ok. Alors c'est vrai. Premier, je suis ici. J'avais dit que je passais par là, je passais ici, ensuite j'allais là. C'est là que je passais ici, je tournais ici, je tournais ici, je passais ici, je passais là. Et voilà. Ici. Et après je vais sortir ici. Et ben voilà, c'est pas plus compliqué. Ah, je comprends bien maintenant. Et il n'y a rien autour. What? Ok, la prochaine fois, je fais pas ça. Voilà, c'est facile. Voilà à quoi ressemble mon badge alors. Yes, un tapis. Je peux pas récolter? Yata! Si je peux pas, je peux pas, je m'en fous. Ok, autant pour moi, les amis. Oula, j'ai même pas vu. J'ai même pas vu combien ça a duré. Ça a déjà duré 1 heure. Bon bah allez. Les amis, je vous dis à tout de suite. Enfin non, plutôt, c'est la fin de la vidéo. Mettez un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire si vous le voulez. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Un petit pouce bleu s'il vous plaît. Et si vous voulez, un petit fond d'écran. Ok, ça marche plus. Je vais m'excuser, j'ai 2 secondes.
Pas grave. Comme je l'ai dit, abonnez-vous. Je me répète. Likez la vidéo. Dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires. Donnez-moi des objectifs. Je les ferai avec plaisir. Et aussi, s'il vous plaît, on va quand même essayer de se faire un petit défi. Si dans les quelques jours là qui arrivent, j'ai déjà atteint les 200 pouces bleus, et ben je vais essayer de faire une vidéo sur... Attention, sur Subnautica, plus accompagné aussi de, comme je l'ai accompagné aussi de Scrap Mécanique. Et plus j'aurai 2 pouces bleus, un peu comme 100 pouces bleus, et ben ça méritera une Pokéball Lucky Block. Qu'est-ce que vous en pensez? 200 pouces bleus égale 2 Lucky Block. Donc, si on arrive jusqu'aux 10 000 pouces bleus, ben vous aurez tous 10 Lucky Block. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Et n'oubliez pas, des pouces bleus. Abonnez-vous. C'était Alexis. Et la prochaine fois, on se retrouve pour une autre vidéo sur Pixelmon Go. Ciao tout le monde, j'espère que vous avez aimé la vidéo.